va aller porter la bonne nouvelle, montrer qu'il y a des diacres aussi, qu'il n'y a pas que des prêtres. Rappeler la mission du prêtre à travers ma présence aussi. Et puis voilà quoi. Ah, tranquillou. Tranquillou, c'est l'expression fétiche de Maxime Boffy. Il a 40 ans et il y a 5 mois, il a été ordonné diacre permanent. Ici, dans sa paroisse mulhousienne, il assiste le prêtre. Il peut baptiser, enterrer ou encore marier. Mais il ne peut pas célébrer une messe dans laquelle l'hostie est distribuée. Ou encore, il ne peut pas confesser. Autre particularité, Maxime est marié avec Jessica et ils ont 3 enfants. La jeune fille au micro, c'est Justine, sa fille. Sa réaction lorsqu'elle a appris que son père allait être ordonné a été assez étonnante. Ça a pas mal interrogé moi, mes enfants aussi. Les enfants, ils ont carrément demandé, notre fille Justine a carrément demandé à son papa si le jour où il sera ordonné diacre, s'il fallait qu'elle le voie. Donc c'était mignon. Le jour de l'ordination à la cathédrale de Strasbourg, toute la famille est présente. Maxime, lui, est concentré, mais pas forcément stressé. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour et puis moi, ça me rappelle un petit peu, comme lorsque je me suis marié avec Jessica. Voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit, ça y est, un engagement pour toute la vie. Et vraiment, non, très heureux d'y aller et sûr de moi aussi. Maxime et les 4 coordinants attendent ce moment depuis 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour les former. La suite de la messe ressemble à une ordination de prêtre, sauf que les épouses sont présentes. Au début de la cérémonie, elles donnent officiellement leur approbation à l'évêque. Oui, je l'accepte. Les ordinants s'allongent ensuite sur le sol et l'évêque invoque l'Esprit Saint. Sanctifie donc par l'ordination ce que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Suit l'imposition des mains et la remise de l'étole. Après 2 heures de cérémonie, l'heure est au recueillement. Ça y est, on y est arrivé. Et ça nous a vraiment fait plaisir, tous ces témoignages aussi de la part de tous les autres diacres, de nos familles qu'on va aller retrouver maintenant. Et puis, vraiment, super moment. Je suis vraiment heureuse pour lui qu'il ait enfin accompli un de ses rêves, sachant le premier c'était moi avec les enfants, faut pas déconner. Et vraiment heureuse qu'il ait accompli un de ses rêves qui me parlait depuis des années. Donc je suis vraiment contente. Il va partager tout l'amour qu'il a aux autres. Allez, on y va. Tranquillou. Et parmi les autres, il y a en premier lieu sa famille. Ce soir, c'est Maxime qui emmène son fils Pierre et ses copains à la boxe. Pour mener de front vie de famille, travail et engagement de diacre, il est très organisé. Bonjour. Mais son secret est ailleurs. Ce qui me booste, c'est... Moi, j'ai la tranquillou attitude. Certains vont se lever en disant « Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ?» Moi aussi, mais de façon positive, voilà. Chez Maxime, la vocation de diacre était en germe depuis longtemps. Jeune adulte, il faisait partie d'un groupe de chrétiens, animé par un prêtre qui l'a beaucoup marqué. Je me suis interrogé sur cette envie de faire la même chose que ce prêtre-là, en devenant moi-même, pourquoi pas, prêtre. Puis après, je rencontre aussi une copine, deux copines, puis tu penses, moi aussi j'ai envie de fonder une famille. Les assiettes, Pierre. Ouais. Mais il est resté impliqué dans l'église. Lorsque ses enfants ont été en âge de faire leur communion, il est devenu catéchiste, avec un désir. Voilà, ma vision, c'était de dépoussiérer la vision de l'église, en se disant, je viens pas à l'église pour repartir en faisant encore plus la gueule quand je suis arrivé. Et effectivement, il a bien dépoussiéré les choses. Résultat des courses. Un jour, il a reçu une lettre de son curé lui demandant de réfléchir au diaconat permanent. Il nous laissait à peu près un mois pour y réfléchir et faire une réponse. Sauf qu'au final, je crois qu'on a mis 2 jours pour répondre. Et le jour où il a eu l'appel, j'ai dit c'est ce que tu veux faire, donc oui, vas-y. Parce que moi, ça m'implique en rien, c'est ton souhait, et après je sais que tu seras heureux et tout. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas toutes les informations concernant son rôle d'épouse.
J'ai ri un peu jaune hein, quand j'ai su l'implication de l'épouse sur la formation qu'il fallait entreprendre, parce que c'est un sacré engagement. Les enfants à table ! Et effectivement, l'épouse doit participer à la formation qui dure 8 ans. 2 ans de discernement suivi de 3 années avant l'ordination, à raison d'un week-end par mois. Et même une fois ordonné, il reste encore 3 années. Pour les 3 enfants, le choix de leur père de s'engager dans le diaconat est vécu plutôt positivement. Enfin, il a toujours aimé la religion, il était à fond dedans, donc vu qu'il ne pouvait pas faire prêtre puisqu'il est marié et qu'il a des enfants, ben, un diacre, c'est bon pour lui. Ben, il peut nous expliquer plus de choses parce qu'il en sait plus un peu sur le sujet. Il est ultra heureux maintenant quand il va à l'église, même si déjà avant il était beaucoup heureux. Salut tout le monde, ça va ? Tranquillou ? Une joie que Maxime peut partager avec les jeunes de la paroisse. Après son ordination, il a eu comme mission de continuer à s'occuper d'eux. Il a aussi en charge les jeunes qui vont participer au JMJ de Lisbonne cette année. Ce matin, avant la messe, il leur propose un escape game. Donc là, vous imaginez, voilà, ici on est au Cénacle. L'église d'aujourd'hui, alors c'est toujours la même qu'il y a 2000 ans, sauf que le message est le même qu'il y a 2000 ans. Pour autant, aujourd'hui, comment les rejoindre selon leur code, voilà, c'est ce qu'on disait, les réseaux sociaux, des escape games. Et le rôle du diacre, c'est véritablement d'aller là où se trouvent les gens aussi. Allez, matos, hein. Nickel, bon, bah, impeccable, super. Et là où sont les gens, c'est aussi au travail. Maxime est chef d'une petite équipe à la mairie de Mulhouse. Son service est chargé de répondre aux habitants qui ont constaté des dysfonctionnements dans l'espace public. Sa fonction de diacre est une aide précieuse pour son travail. Manager des gens, c'est comme finalement dans l'église, il faut s'ajuster à tous, il faut vivre avec tout le monde. Et c'est pas toujours simple de faire travailler les gens ensemble. Bah, dans l'église, c'est pareil, c'est pas facile de vivre ensemble non plus. Et voilà, l'objectif dans l'église, ouais, c'est véritablement ouais, aussi de cette vie fraternelle à laquelle on est tous appelés. Bah, au travail, c'est pareil, quoi. Bien entendu, il s'interdit au prosélytisme. Toutefois, certains de ses collègues, bien que non pratiquants, sont allés le voir à l'une ou l'autre messe qu'il animait. Donc on a été voir et puis j'ai trouvé qu'il a donné de l'ambiance, il a fait bouger les gens ne sont pas assis, ils ne sont pas stoïques, il a fait bouger les gens, il les a fait danser, c'était autre chose, pour moi j'ai découvert autre chose. Quand tu vois Maxime qui fait tellement de choses avec les jeunes, je dis bon ben voilà, c'est différent, les choses évoluent. Fastad, pardon, et Delio. Pour Maxime, l'église, ce n'est pas juste la messe. Chaque dimanche, il invite des paroissiens chez lui pour ce qu'il appelle des aftermesses. C'est dans cette ambiance qu'il compte vivre sa mission. Aujourd'hui, moi j'ai plein d'énergie, j'ai de l'énergie à revendre, donc je donne tout ce que j'ai parce que envie ouais, de transmettre la foi sans l'imposer pour autant, sans faire du prosélytisme, simplement être moi, rester tel que je suis. Et il pourra rester le danseur qu'il est aussi longtemps que ses jambes le lui permettent. Toutefois, sa lettre de mission pourra être réévaluée quand il aura atteint ses 75 ans.